j'ai vécu une espèce. Enfin, non, en même temps, ce que je veux dire, c'est que je sens que vous êtes une, quand même un peuple plus avancé que nous. Et tout à l'heure, pendant le set de Frédéric Aubert, j'ai été prendre une douche. Un truc que j'avais jamais vu. En fait, il y a un pommeau de douche qui fait de la lumière ici. Et après, quand tu changes, quand tu mets plus ou moins chaud, la lumière change. Et en fait, là, je. Tu vois, j'ai l'impression d'être vraiment rentré dans le troisième millénaire et ça fait juste une heure de ça, quoi. Je voulais vous le dire parce que peut-être que chacun d'entre vous n'a pas un peu mot douche lui-même, mais. Si vous avez tous ça, on se sent. C'est énorme! C'est un truc, moi je vous le conseille. Il y a la musique, on peut danser. Non, mais ouais, celui que t'as l'impression. J'avais un peu l'impression d'une expérience, tu sais. Ah oui, non, mais c'est moi qui raconte là, vous achèterez un peu. C'est vrai que c'était une expérience quasi érotique en fait. Bien que c'est bien sûr. Oui, c'est là qu'on rentre dans l'expérience érotique collective. Ça calme. Font des chansons comme d'autres font du vin, mes copains. Pour les champignons, ils connaissent les bons coins, mes copains. Ils te font un gueuleton avec trois fois rien. Alors, nous sommes dans notre maison. C'est une ancienne ferme du Jura, à Sainte-Croix. Je m'appelle Nathalie. Et je partage cette maison avec mon compagnon Marc et ma fille Prune. Nous avons le plaisir d'accueillir régulièrement des concerts dans le cadre des Chants d'Appart. Moi, je pense qu'on a dû faire pas loin d'une vingtaine de concerts ces derniers temps. C'est au coup de cœur et c'est au fil des occasions qui se présentent, mais c'est presque une fois par mois. Donc, ouais, c'est assez régulier. Ouais, si tu touches à mes pompes avant que t'aies pu dire un mot, on tombe dessus pour une balade. T'es coinché, la chance de ces soirées, c'est de vivre un concert qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Enfin, c'est vraiment une proximité avec les artistes, c'est vraiment un cadeau. Tout le monde, tant les artistes que les gens qui viennent, sont vraiment contents. Nous, on adore ces moments, c'est vraiment un cadeau à chaque fois, c'est un moment privilégié et on a vraiment un immense plaisir. Qui s'était un petit peu atténué ces derniers temps parce que parfois on a de la peine à avoir assez de monde à notre goût pour que ce soit aussi que les artistes soient bien rémunérés quand même. On était un petit peu découragés, puis on a reçu beaucoup de preuves d'encouragement tous ces derniers temps parce que c'est vrai que chaque fois les artistes étaient vraiment vraiment très très contents. Donc je crois que c'est quelque chose qu'on va vraiment continuer.